jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Upala, siyashingendi. Panjate lo, nemfa, yi, ndehambi pena. Télo, ça veut dire quoi? Télo. 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 Un T, ça veut dire retirer. Enlever. Ok. Lo, ça veut dire les fautes, les erreurs, les défauts. D'accord. Télo. Allez-y, dis télo. 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 Ça veut dire corriger. Okay. La correction, c'est télo. 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 Il y a le coup de gote à la fin, c'est pas l'eau. Ah, télo. Télo. Fab. Cette fois, on n'a pas fait le nom avec le ton descendant. Oui, il y a des exceptions. Okay. Il y a quelques rares exceptions. Même la nourriture, on dit la nourriture comment? Ouze. Il y a quoi dedans? Oui. Le ton 3, oui. Les choses. Dans ouze, c'est ou et ze qu'on a collé. Donc, normalement, ça attendra à ce que ça devienne ou, parce que ta devient ti, n'est-ce pas? Oui, donc il y a des exceptions. Même ouze, c'est une exception. Hein? Mm. Fala, io ti appeto telo. Un chumbi in ca, appete per yambi per, c'est devant vous. Oui, là je prends ça tout de suite. Un chumbi in ca. Me vo poil. J'ai ça devant moi. Me vo chami langembi. J'ai ça devant moi. Essaie de dire en langue voix. Ngoruya bi. Mbia. Mbia. Chim. Ngoruya mbia. Me vous quoi le? Ngoruya mbia. Mbia veut dire quoi? Devant moi. Devant moi. Me vous tu as mis au le yi, c'est s'il y a le ton li. Tu as vu la vidéo? Nga. Pour le signe. Nga, c'est. Ah. Ça veut dire que tu as déjà du vocabulaire. Mbia, repenons. C'est ce qu'on a dit la dernière fois où il parle. Ah, so, ok. Je commence. Gento. Où on commence? Gento. Gento. Ndeyi. Ndeyi. Jus. Sipe. Est-ce que c'est un jus? Jus. Ndeyi. Ju sipe. Hein? Sipe. Sipe. C'est le ton bas pas tout là. Pe. Njamza. Waha. Panche wa le chichu. Ndeyi ju sipe. Njamza waha. J'ai fait un cauchemar avant-hier. Tu as simé à l'ombre là. Ndeyi ju sipe njamzo wa. Allez-y. Ndeyi ju sipe njamzo wa. Sipe veut dire quoi? Décomposons chaque mot déjà. Ndeyi c'est quoi? Je vais pouvoir, mais il y a là deux jours ou plus. Gopé non. Oh la moyenne j'ai à mon ami. Oh, le bon goût, tu n'es pas le même GV, c'est là. Tu étais malade quand on voyait ces leçons, mais tu connais ça. En faisant le devoir, ça c'est aussi revenu. Ndeyi, donc j'avais vu il y a de cela au moins. Ndeyi. Et s'il faut dire j'ai vu, on va dire quoi? Gefu. Oui, Gefu, oui. Ça peut être j'ai vu au moins 6 heures, même d'une journée. Mais si je venais de voir.
Guéhi, c'est ça? Guéhi. Guéhi, j'ai vu. Guéhi. Ah. Et je suis en train de voir maintenant. Gomenji. Gomenji, c'est simple, J. C'est pas Gomenji. 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 Je suis en train de te voir. Gomenji. Gomenji. Gomenji, no. Ah, Gomenji, no. Gino. Ah, me change, no. Anjino, Njino, aha. Gomenjino, Gino. Et je vais te voir. Gino. Gino. Je te verrai dans un futur lointain. Gino. 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 Chim. Chim. Gino. Hein? Ou alors Nkola Ayino, on peut aussi dire ça. Nkola. Ah, Fab. Ge tamga chupe. Pe chondo ya chupe. Donc, me fongo, ça me fait le peu. Ne chassie là. Ne chassie là. Ne chassie là. Me fongo. Ah, depend. Ah, pas bamba. Namela. Namenok. Namenok zi. Oyolo. Gete. Ah, oh, je suis trop pas tenel. Je suis top. Pas. Pas, ça veut dire comme. Pas. Beaucoup de blocs. Pas tenel. Pas tenel. Pas tenel. Là. Pas tenel. Oui, ça veut dire comme le faire. Voilà comment on dit ça la plupart du temps. Ah, okay. Je suis top pas tenel. Allez-y. Je suis top. C'est l'expression pas, n'est-ce pas? Pas comme. Avec le coup de vote. Vous vous rappelez de l'expression pas un chila? Pas chila. Oui. Le pas se termine par le. Pas tant, 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 le. Dites un peu comme moi. Pas. Pas mu. Pas mu. Pas mu. Dites, faites comme moi. Formula. Ah, formula. Ça, c'est une seule personne. Ah, là, c'est une seule personne que je t'adresse. Formula. Fais comme moi, d'accord? Oui. Puis son nombre, vous allez dire père, formula. Père, formula. Ah. Dindé, père, formula. Père, j'ai suivi là. Hein? Père, formula. Donc, voilà. Allez-y, je suis ton partenaire là. Je suis ton partenaire là. Tenne, c'est quoi? Le fer. Le fer. Tout métaux en général, pas seulement le fer, les métaux. Hein? Okay. Voilà. Tenne, ça veut aussi dire quoi? Attends. Attends. Tu tennes? Tenne, ça veut dire arrête-toi, attends. Tenne. Okay. Tenne. Ah. C'est un homonyme du fer, Tena. Voilà. Okay. Ndeyi, je suis paix. Donc, on a vu Ndeyi, c'est un passé d'au moins deux jours. Et après, il y a un jus. Jus, c'est quoi? Tout le monde connaît un jus aujourd'hui. Bref. Voilà. Et si paix? Mauvais. James. Avant, après, demain, avant-hier. Ça peut être après-demain, ça peut être avant-hier. Hein? Et dans Jamzo, il y a quoi et quoi? Jam, c'est derrière. Et c'est le dehors, la nature. Z. Dans Zolé. Dans Zola, c'est la nature. Zolé, c'est que, est-ce que la nature, est-ce que le dehors a blanchi? Cette éclaircie, Ndi, c'est s'éclaircir. Zolé! Hein? Est-ce que le jour s'est éclairci? Voilà comment on salue. Donc, Njamzo veut dire normalement derrière le jour. Maintenant, vous voyez que on dit derrière le jour, mais ça veut aussi dire après, demain et aussi avant-hier. C'est parce que dans la langue bamileke, dans la culture bamileke, dans la philosophie ancestrale, hier et demain se rencontrent parce que la vie est cyclique.
C'est pour ça que vous allez aussi voir, on va dire « waouh, hier ». On se dit « waouh, demain ». Donc, c'est une philosophie ancestrale. Ce n'est pas parce que ça nous avait dépassé de créer des thèmes différents pour ça. Pour l'anglais. De yin, je suis pas Njamzewa. Encore? De yin, je suis pas Njamzewa. Non, Jamze, Jamze. Jamze. Non, Jamze. Jamze. Traduisez. J'ai fait un cauchemar avant-hier. Le cauchemar, c'est quoi? Un mauvais rêve. Oui, je vais dire en langue maternelle. Le cauchemar, c'est. Jamze. C'est Sipe Njamze. Comment? Non. Ah, pardon. Jamze, c'est Sipe. Allez-y, Jusipe. Jusipe. Dites, l'enfant a fait un cauchemar. On ne dit pas je. Regardez l'expression. Vous allez voir dans l'expression si vous allez voir comment on dit vous. Faire un rêve. Mou de J. C'est ça, c'est le passé quand tu mets le de là. L'enfant a fait ce passé dans ta phrase. Le passé composé, mais ce n'est pas hier ou avant-hier. Moins de 6 heures. Mufunji. Mufunji, ça c'est plus de 6, ça c'est au moins 6 heures. Mais je veux dire maintenant. Moins de 6 heures. Moins de 6 heures, oui. Mouji. Mouji. Tu ne fais que dire Mouji. Mouji. L'enfant. Mouji. Tim, allez-y. Mouillé, juste. J'ai fait un mauvais rêve. J'ai fait un cauchemar. Dites, j'ai fait un beau rêve. Oui, même quand vous voulez dire à quelqu'un, fait de beaux rêves, vous allez dire quoi? Dieu pépé. Yimbeju, Tim. Va faire si ça me fait feu. Je ne sais pas. Que tu as essayé là pour moi. Que tu as essayé là. Fallo, me reprends le. Apprends à prendre des phrases et étendre. D'accord? Pour dire faire un rêve, chez nous on dit quoi? On dit voir le rêve. Le verbe voir à l'impératif, c'est pas dit, le dieu devient yé. Dites, fais un beau rêve. Yé. Il y a aussi une connotation très profonde. Ça, c'est pour les gens qui maîtrisent bien la langue. On dit « jumbu ». On dit « jumbu ». Dites « jumbu ». Jumbu. Oui, « jumbu », c'est des rêves très doux, très beaux. « Jumbu ». Donc, au lieu de « benju », si vous voulez être élevé, vous dites « jumbu ». Jumbu. Donc, généralement, donc, quand vous ne connaissez pas bien, vous dites « benju », voilà. Voilà, on dit. Tu me dis « pour me vongo ». Je n'ai pas fait le devoir. Je prenais la feuille. « De yi ju me ». C'est « me vongo ». « Ju me ». « Ju me ». « Se ouais ».
Si même pas, le coup de gloire. Quoi là? Ngue. Calme-toi, reprends l'énergie, oui. Ne y ju. Mais c'est où? Ce n'est pas moi. Mais. Ne y ju. Mais. Ce où? Si. Même pas. Mkwe. Comment tu descends alors que c'est pur? Mkwe. Quand je dis « j'ai toujours tendance à descendre. Mais si c'est « Mkwe la. C'est pas le coup de glotte. Quand c'est le « Mkwe la. La, voilà. Mkwe la. Mkwe la. Nge. Re. Peu me nga. Ce n'est pas peu, doucement sur l'autre là. Peu. Pemengaju. Le T ne se lit pas. Pemengaju. 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 Ben, c'est une négation en plus. Donc, allons-y ensemble. De yinjume. De yinjume. De yinjume. De yinjume. Ça veut dire quoi? De yinjume. J'ai rêvé. C'est toujours le rêve. On est toujours au niveau du rêve. J'ai rêvé que. Le mala, c'est que. Dites un peu, j'ai dit que. Gueule les mains. De yinjume se oué. Allons-y. De yinjume se oué. Comment se oué? Se oué. Quand tu dis même se oué, ça te fait pas mal au tympan. Parce que tu dis se oué. Ça ne peut même pas te faire mal au tympan parce que peut-être tu ne suis pas souvent ce mot généralement. Donc, il faut être aussi baigné dans la langue. De yin, je me souhaite. Si mon banc, quoi? De yin, je me souhaite. De yin, je me souhaite. Si mon banc, quoi? Langue, pour mon gang, J'ai fait un rêve, ça c'est la base de Yijun. J'ai rêvé que ce ou ouais, ces personnes. Je suis content. Personne. Si mba quoi, c'est. Si mba, mba quoi? Mba quoi? Oui. Quoi c'est aimé? Que personne ne voulait, n'aimait plus. Voilà. Où est le plus là dans la phrase? Le plus dans la phrase, c'est quoi? Quel est le mot? C'est bat. Bravo. Bat. N'aimait plus, là. Pas n'aimait plus, ne veut plus. C'est maintenant. Ne veut plus. Bon, oui. Ne veut plus. Là, c'est maintenant. Oui, ne veut plus. Langueur. Parler. Parler quoi? Langue, la parole. Voilà, la langue. Re, c'est la langue. Oui, parler langue. La langue. Langue, re. Oui. Que personne ne veut plus parler la langue. Prendre la parole.
Non, parler la langue. Si tu continues, tu vas voir c'est pourquoi c'est parler la langue. Ok. Ah, oui. Les ancêtres. Voilà. Parler la langue des ancêtres. Oui, vous connaissez déjà le mot ancêtre? Oui, oui, oui. C'est lequel? Même si je ne sais pas dire ça, quand je vois, je sais que c'est ça. Mungo. Seulement à vue d'œil. Oui, je sais que c'est ça. Ça veut dire que même... C'est pour ça que j'ai voulu imprimer pour avoir ça bien sous les yeux. Ah, d'accord. Ça veut dire que même la forme écrite vous aide aussi beaucoup à visualiser. Oui. La traduction de ok, je reprends. Non, seulement le mot mba. Mba. Mba, c'est plus. Mba, c'est encore. Ah. D'accord. Comme c'est la négation. Quand c'est la négation, c'est ne plus. Si, c'est si, et puis ben à la fin. D'accord. Dites un peu, il ne viendra plus. Qui peut essayer cette phrase? Que je sais que ce n'est pas à votre niveau, mais essayez. Il ne viendra plus. Dites d'abord, il viendra. Dites d'abord la forme positive. Oui, on va voir la négation à partir des coups qui viennent. Hein. On est un peu en avant, mais c'est bien. Il ne viendra pas. Comment on dira ça? Assis. Chim. Mais vous êtes en avant. C'est très bien. Wow. Assis. Sub. Allez-y. Assis. Sub. Maintenant, ça c'est il ne viendra. Pas. Maintenant, dites qu'il ne viendra plus. Plus. Asi. Imba. Tim. Asi. Imba. Asi. Imba. Sob. Allez-y. Sob. Asi. Imba. Sob. Sob. Imba. Sob. Pour dire je vais encore manger, on dit ngue imbaz. Allez-y. Ngue imbaz. Encore via. Allez-y. Nkovia. Nkovia. Je ne suis pas rassasié. Nkovia. Nkovia. Ok. Ngeimbaz. Ngeimbaz. Oui, le mba. Je vais encore manger. Ngeimbaz. Je vais encore manger. Ngeimbaz. Tchoufou si koye. Nandem ngeimbaz. 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 Que Ngosi, ngosi, nsi, imba, nsi, zouza, c'est très bien, mais moi, on va corriger. Nsi, 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 imba, zouza, Tim. En fait, le si là, on a toujours dans ça à dire ça, mais c'est un si. Donc, le ngue si devient un si. On va voir ça dans le. D'accord. Oui, la contraction, les puristes n'aiment pas ngue si, d'accord? Ils préfèrent un si mba. Allez-y. Si mba. Si mba. Si mba ze ou ze be. Si mba ze ou ze be. Vous voyez qu'à partir d'une expression, d'une seule phrase, on a pu tourner faire beaucoup. Plusieurs leçons. Et c'est comme ça que je veux que vous fassiez. Ne restez pas simplement sur mes phrases figées. Sortez de là, formez d'autres phrases et venez discuter avec moi. Il y a un grand bipé. Mais si vous venez ici sans question,
aucune question, ça veut dire que je viens vous donner simplement ce que j'ai préparé. Vous n'avancez pas. Il y a tout le monde qui est Fale, de yiju me sewe, si m'embankwe, langue, pour m'enganjube. Essayez de dire ça encore, c'est long, mais essayez. De yiju me sewe. C'est pas me, c'est me. De yiju me sewe. Si me bat. Laissez-moi voir le seul, s'il vous plaît, Ticho. De yi je me sewe. Ah, ce n'est pas sewe. 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 Si me ba. Kwe. Kwe. Le. Kwe la. Pas. Kwe la. La. Kwe la. Ge. Ge po pomme pomme ganju pomme ganju pomme ganju be tim donc un seul ancêtre c'est quoi mangage hein? Donc maintenant c'est parce que c'est nombreux comme le peut là pomme ganju voilà le pluriel de mangage d'accord mangage. Me vois-tu amitié ou non? De yi, je me. Se oué. Si me mba, kwe. Langue, re, pe menga, je, be. Tim! Tic, lig, 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 lig. Toum! Aha! Donc. Comment on dit personne? Aucune personne. Se ouais. Me vois le à toi que m'a dit. Aucune personne. Ah, ouais. Pas moi. Se ouais. Tu sais ce que se ouais veut dire? Décompose. Il y a quoi dedans? Il y a ouais. Quelqu'un. Et il y a. Se quelqu'un. Se ouais. Dites un peu aucune chose, rien. Se ou. Voilà comment on décompose. Parce que si tu décomposes, tu vas voir que ouais, c'est le tomba. Et non, se ouais, mais se ouais. Se ouais. Hein? Et il y a encore quoi dans la phrase que vous avez retenue? Voilà. Ngue-re, ouais, parler. Et re, c'est la? La langue. La langue, ça peut être la parole, ça peut être la langue, comme dans ce contexte. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est une belle phrase. Retenez ça. Quand je vous donne ce genre de phrase, c'est pour que je veux que vous récitiez ça comme des, hein, comme des récitations. Faites des récitations avec. De yinju, monsieur, ouais, si mon banquet, langue, pour mon ganjube. Si vous parlez des longues phrases comme ça, ça va préparer votre cerveau à la langue, ça va conditionner votre cerveau. C'est vrai. Chimita. Me vont comme ni au monde où ils ont peur au monde où ils ont peur toi get your ciel me vont dis-le bonsoir d'une autre façon bonjour ang bonjour même au capot Mbemboule. Mbemboule, c'est à une seule personne, mais ils sont nombreux. Tu vas dire Mbembipelle. Mbembipelle. Le pénon. Le pénon. Un chimita, Mouvon Kameni. Je n'ai pas le. Je suis là, je n'ai pas le document. Je me suis seulement connecté parce que je ne voulais pas rater le coup, mais je n'ai pas le document. Ah. Et je suis avec les gens à la maison. Bon, facile. Yoko.
Je suis ici, mon gars. Ntimbita. Siafuma, Njula, me chouanou. Sindinde baba. Me chouanou. Non, avec ton 2, ça c'est ton 2. Bon, comme la phrase continue. La phrase continue. Vous voyez, ça va être tapé comme ça. J'ai un peu entendu là. La phrase continue. Ben facile. Ah, Pessoraleur. Pessoraleur, qu'est-ce qu'il a dit là? Pessoraleur. Ok. Dites-moi. Dites-moi. C'est vrai. Soc, c'est dit. Donc, il a dit comment expliquer. Oui, expliquez-lui. Siefu. Dieu est roi. Quand la phrase continue, si le ton est trois, il devient haut. Siembe. C'est tout simplement ça. Ah, siembe la tengaye. Ngepeno mavo. Non, siefu. Anton andemela, Dieu est roi, Dieu est grand. Fab. Siefu, Dieu est grand. Injule, le rêve là, me chouanou. Le rêve là est faux, est mensonge, si on veut prendre mot à mot. Le rêve là est mensonge, chouanou. Si dinde, ce n'est pas le si qui la négation. Si dinde, ce n'est pas vrai. Vrai. Ce n'est pas la vérité. La vérité. Si dinde, baba. Dinde de baba. Ce n'est pas la vérité. Le premier me avec le ton au là, alors maintenant, c'est aussi que. Oui. C'est fume. Dieu est roi que. Voilà. Ça veut dire que l'accent alors de me là. Oui. Ça dépend du contexte aussi, c'est vrai. Parce que le me de devant, c'est plutôt un ton qui descend. Et en bas. Oui. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai dit que. Tu as dit quoi? J'ai dit que. Allez, me que. Ah, ngelema. J'ai dit. Ngelema. Non, j'ai dit que. Ngelema. Ngelema. Oui, ça si tu me dis ça, ça veut dire quoi encore? Ngelema que, j'ai dit que quoi? Donc, au moins, Mbafasi a retenu une bonne leçon de grammaire aujourd'hui. Tous les tons moyens, quand on continue la phrase, c'est le ton haut. Autrement dit, vous allez aller fouiller le dictionnaire en vain, vous ne comprendrez pas la phrase. Comme les tons bas deviennent simples, quand on dit quand on continue, on dit ngue. C'est ça, non, ceci. Oh, au Chonjou, c'est pour la grammaire là, non, tu assises. Et le chef là ici, c'est le terme que nous utilisons généralement pour dire heureusement. Ah, okay. Yangouten, Yangouten, bah, c'est le vivement.
Heureusement, quand vous avez eu un voyage, vous avez eu un gain. Vous avez un gain. Vous avez un Dieu merci. Ah, Dieu merci, c'est bon. Très bien. Ça, c'est le même sens. Ah, c'est le même sens. Dieu merci, heureusement. Voilà. Les gens disent ça beaucoup, hein. J'entends ça beaucoup, en fait. Ah, ah, ah. Et pour la petite histoire, quand je traduisais le livre guide de conversation, là, le guide de conversation trilingue, je ne sais même pas si vous l'utilisez, mais commencez déjà à utiliser ça. Vous allez avoir de, voilà, de belles phrases bien comprises. C'est ça, non, c'est ça. Mais vous allez être toujours prête. Je voyage avec tous mes livres, Cécile. Ah, vous bon go. On ne voit plus. Donc, je disais donc que dans ce livre-là, commencez déjà à utiliser ça parce que vous savez déjà lire. Donc, vous pouvez déjà avoir des expressions toutes faites. C'est fou, Dieu est roi. Et c'est pour dire heureusement. Hein? Un autre thème de siefu, pour dire heureusement en langue, on peut aussi dire sieyo, dites sieyo. Sieyo. Yo, c'est quoi, c'est yo, c'est maître, Dieu a mis, Dieu a mis. Sieyo. 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 Parfois, on dit siebonjo. Allez-y, siebonjo. 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 C'est Dieu qui a mis. Voilà comment on dit heureusement. Parce que si vous ne connaissez pas ça, on va vous dire d'esprit, heureusement, votre langue, vous ne pourriez pas. Pour l'anglais, si elle fume une jule, me tuano. Il y a encore quel vocabulaire que vous retenez ici? Tuano. Tuano. Tuano, c'est? Mensonge. Mensonge. Étymologie. Tuano. Il y a tuano dedans. Tu as dit couper. Tu as. Tu as, c'est coupé. Oui, comme quand on dit comme toi, tu as dit bok tu as. Bok tu as. Bok tu as. Ça veut dire quoi? Bok tu as. Bok. Bok tu as. Bok, c'est la pluie. La pluie. Okay. On coupe la pluie. Non, la pluie s'est arrêtée. Voilà comment on dit. Ah, ok. Bok tu as. Bok-choua. Donc, choua nous veut dire choua qui est coupé et nous, les choses. Donc, vous les choses. Vous pouvez vous dire choua nous. Hein? Okay. Il faut comprendre l'étymologie pour voir combien c'est fort. Et vous retenez avec l'étymologie, c'est plus profond. Il y a les gens qui parlent la langue sans comprendre la langue. Choua nous veut dire le fait de couper les noms. Hein? On vous demande quelque chose, vous coupez et vous dites d'autres, voilà. Tuan. Dites un peu, c'est faux. Sindende bebe. Sindende bebe. Sindende bebe, ou encore? Sindende bebe, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, oui. Ou encore? Yame tuan. On vous avait dit que le b ça permet de faire le c. Retenez ça. Si je mets ce b derrière n'importe quel mot, ça me fait c'est telle chose. Hein? Dites c'est vrai. Dendeba. 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 On a retenu tuano, mensonge. Tuano. Dites un peu tu mens. Om chuanu. Je ne parle pas. Donc, c'est en même temps un verbe, alors. Le verbe, c'est chuanu. Chuanu. Et le nom, c'est chuanu. Chuanu. Okay. Oui. On a vu qu'en grammaire, les tons ont chua pour former le nom qui vient de ça, c'est le ton bas. Chua. Tra, dit tra. Tra. Oui. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que j'avais demandé de traduire? Gueule.
On a fini. Je ne mens pas. Je ne mens pas, voilà. Ah, je ne mens pas. Gusime. Si. Me chuan nube. Si me chuan nube. Si. Si me chuan nube. Oui. Tu vois que tu as vite corrigé le gossi. Tu as nouveau le gossi, hein? C'est devenu un si. Voilà. Alors, dites un peu, il ment. Amochuanu. Je sais que les gens n'aiment pas trop dire Amochuanu. C'est à qui tu as le nous voir. Hein? C'est toujours le gossi, ça. C'est Abonchan aussi, si vous voulez. Dites alors, il ne ment pas, elle ne ment pas. Asimenchan, elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Amen. Non, soc, c'est un peu comme raconter. Il y a une petite nuance entre soc, nde et gue. Amen. Soc, c'est comme raconter un peu, hein, comme des contes, des trucs. Voilà. D'accord. Oui. Punta simenden dindeba mo injinandem nanan ndembetemela ngoma ntio ngoma mbapo fasi me Francine de blague la asimendindeba ndomya la meme choix non ngoma ntio ngoma ngusia comme ngusia ngepeno. Donc pour dire je blague, c'est je joue en langue fefe, voilà comment on dit ça. On dit ngoma ngusia, allez-y. Gemme, donc faites attention au ton. Au lieu de dire je blague, tu peux en train de dire je suis en train de bagarrer. Et c'est oh mon gueule, comment tu as? Hein? Comment? Parce que je suis en train de bagarrer. Voilà. Pour l'angembi, Chimbi, suivez-moi. Mais vos poils, il faut toujours penser ça dans ta tête pour lire. Je vais faire attention. J'étais. Mais que Inji si. Ce n'est pas I, c'est I. Gei. Gei. Ah, Gei. Gei Inji. Gunji si le ze be waha. Non, c'est pas waha. 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 Be. Jamze. Gotamgachu. Pelem ngenungum. Ngenungum. Mais vous gossez. Tu as dit quoi? Ngenungum. Ah, c'est pas U. Ngenungum.
Quand quelqu'un prononce mal, tu sais. Gunjua. Déjà, Nungu veut dire quoi? Nungu. Jurer, voir. Jurer. Voir le kadji. Hein? Ah, c'est boire le kadji. Oui. Zenou, je sais que c'est. J'ai c'est juré. J'ai bu le kadji littéralement. Nungu, c'est le kadji. Moi, je savais que c'est boire quelque chose, mais. Voilà. Pas... Mais dans le dictionnaire, Mvongo, il y a ça, il y a ça. Peut-être Nungu. Tu n'as pas bien regardé, il y a ça. Non. Je suis, ici, par exemple, quand je cherchais dans le dictionnaire, j'ai du mal à mettre les accents. Je ne savais même. J'ai essayé sur les deux syllabes. Qu'est-ce qu'on devait chercher? Quel est le verbe? Quel est l'infinitif de ce verbe? Nungu. Avec le ton haut. Non, le ton moyen. Mais par contre, je mettais. Je ne savais pas pourquoi je pouvais aussi considérer que c'est goût. Là, qui a été. Mais si elle n'est pas fait. Un peu comme si le nom goût, là, c'est deux N. Oui, oui, ça c'est l'infinitif. Nous. L'infinitif du verbe boire, c'est nous. Nous. Mais j'ai pu, c'est quoi? Genou. Ah, avec. Non. Oui. Non. Okay. Ah oui, c'est aussi juré. Je comprends ce que tu dis, mais Ngou, Ngou, ce n'est pas un verbe, Ngou, c'est un nom. Ok. Oui. Genou, Ngou, j'ai bu le Ngou. C'est un verbe constitué, composé d'un verbe et d'un nom collé. D'accord. Genou, Ngou. Est-ce que dans le dictionnaire, dans le dictionnaire on a écrit Ngou, épreuve d'Ordali, ça veut dire quoi? L'Ordali, c'est la recherche de la vérité. Donc, au village, là, quand quelqu'un peut-être ment, ou bien quand il y a des sorciers, on fait une petite cérémonie où les gens viennent dire « je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça ». Chacun dit « je n'ai pas fait ». Et il y a des kunga, hein, qui sont là, et des capsiens, c'est-à-dire les prêtres de Dieu, capsiens du village là. Voilà. Donc, eux, ils sont là maintenant pour faire que les gens passent cette épreuve d'Ordali là, pour pouvoir dire, se justifier, dire qu'ils n'ont pas fait. Et si tu as fait alors que, et tu dis que tu n'as pas fait, le goula va t'attraper. Donc, voilà ça. Pour demain, Ok. Oui, c'est une épreuve très forte. Oui, j'ai déjà entendu cette expression. Les gens ne savent même pas se traduire ça en français. Ils disent toujours le ngou. J'ai déjà entendu le ngou, va t'attraper le ngou. Ngou, c'est quoi? Ils ne peuvent pas dire. Donc, vous retenez l'expression nungu. Allez-y. Nungu. 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 Dites, ne bois pas le kadji. Aussi nungu. Aussi nungu. Aussi nungu. Aussi nungu. Donc, même quand le présent prête ses mains, on dit que nsangwem nungu. Allez-y. Nsangwem nungu. Oui, nsangwem, c'est le président de la République. Nsangwem. Vous connaissez ça, non? Diriger, commander, président. Ah oui, nsangwem. Et le nom, c'est Nsa'a. Nsa'a Ngwe. Nsa'a Ngwe, c'est le monde, le pays. Nsa'a Ngwe. Donc, voilà. Traduisons encore la phrase. Dites Nge Nungum. Nge Nungum. Nge Inji Isi Relase. Nge Inji Isi Relase. Bewa. 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 Bewa.
Benjamze. Benjamze. C'est une très belle... On dit Benjamze, on peut dire, on peut ajouter. Traduisez alors la phrase. Je jure que je vais apprendre la langue maternelle. La langue maternelle aujourd'hui. Demain et après-demain. Yamandasima, te siècha la mie. Dites te siècha. Te siècha. La mie. La mie. Siècha, c'est la terre, le monde. La terre, le monde. Pour la vie. Oui. Te siècha la mie jusqu'à ce que la terre ne finisse, littéralement. Te siècha. C'est un peu, je t'aimerais pour toujours. Me prenons que je suis. Hein? Si tu dis ça à ton mariage, me prenons de... Donc, retenez ces belles expressions. Te siècha la mie. Ça veut dire jusqu'à la fin du monde. Donc, il a dit quoi? Ça veut dire que quoi? Ça signifie que yamandasima. On a retenu quelle expression de la phrase? Nungu. C'est ça, parce que le reste, on connaît. Voilà, très bien. Ntimbiti, mavongo. Ntimbiti. Mbichuma. Ya chok mewe jisire zi mbe yiweno. Bichuma, c'est parce que ya chok mewe. Il faut. Oh, tu connaissais le son ya chok me. Super. Il faut que. Super. Ouais. Chaque personne, quelqu'un, ça veut dire beaucoup. Quelqu'un, oui. J'y suis reusi. Apprenne. J'y suis apprenne sa langue pour devenir quelqu'un. Ben, you et non, on ne peut pas oublier ça. Parce que si tu n'apprends pas, tu n'es pas Wenok. Bon, si moi, Wenok, aussi, oui. J'y suis pas. Allez-y. Aussi, il y a ça dans tous les documents. Donc, si quelqu'un ne voit pas ça, aussi, on va te vendre comme esclave. Ça, c'est la devise de Résulam. Chacun doit retenir et réciter ça. Oui. J'y suis rezo, mbeyo weno. J'y suis rezo, mbeyo weno. Mbeyo weno. Mbeyo weno. Aussi, j'y rezo, mbeyo weno. Mais pour faire nos poutines, ce sont des phrases très fortes. Donc, la cinquième phrase était Mbichuma, Yan Chama. Parce que. Ouais, j'y suis, vas-y. Mbeyi Wenok. C'est ça. Mbeyi Wenok. Il faut que quelqu'un apprenne sa langue pour être aussi quelqu'un. Pour être quelqu'un, voilà. Chimbinto.
Yann Chom, allez-y, Yann Chom. Oui, Yann Chak, là, que moi j'ai appris. Yann Chom. Oui, donc retenez cette expression. Il faut que. Il faut que. Yann Chom. Yann Chom. Dites un peu, il faut que je parte. Yann Chom. Yann Chom. Yann Chom, un chien. C'est un pan gauche. Yann Chom, un chien. Yann Chom. Pourquoi on dit pan gauche? On dit le un là, c'est gueux. Dites un peu, il faut que tu boives ton remède. Bon, c'est le remède là qui est compliqué. Allez-y. Donc, si vous voulez donner conseil à quelqu'un, n'oubliez pas le Yan Chom. Ou bien, si vous avez une obligation, vous dites Yan Chom. Yan Chom. Et un synonyme de Yan Chom, c'est Yapem. C'est bon. Yapem. Yapem. Alors que Yan Chom, c'est ça cherche que. Tu vois, c'est chercher, non? Chercher, oui. Yan Chom. Dites un peu, il faut que tu apprennes ta langue maternelle. Donnez les conseils. Yan Chom. Ça semble que tu ne sais pas. Oui, Yan Chom. Ça veut dire la langue du village. Yan Chom Mbowol Jisi Rezi. Allez-y. Yan Chom Mbowol Jisi Rezi. Je suis en train de vous donner toutes ces expressions parce que je compte changer la formule de votre examen cette année. C'est chaud. Oui. Ça sera un classique. Ça sera un petit projet. Oui, où chacun va rédiger des choses et venir exprimer. Je suis en train de réfléchir à la formule, mais ça sera un peu ça. Ça ne sera plus tellement classique. Vous allez bien sûr vous présenter. Oui, vous allez bien sûr vous présenter. On aura des notes? Hein? On aura droit aux notes? Il faudra parler sans... Vous aurez droit aux notes. Vous allez écrire vous-même. Vous allez préparer. On n'est pas là pour vous penser. On veut que vous compreniez. Hein? Voilà. Donc, c'était comme ça parce que je voudrais maintenant que vous accentuez la communication. Hein? Donc, réfléchissez déjà à un projet que vous aimez et que vous aimeriez parler de ça. Hein? Même si ce sont des conseils que vous allez donner, même si c'est de votre entreprise que vous voulez parler, vous pouvez venir parler de votre entreprise en langue maternelle, de n'importe quoi, pourvu que ce soit un projet en langue. Non, c'est pas re. Est-ce que tu vois les tons? Le ton bas. C'est pas ma, c'est ma. Ça, même si c'est comment, je vais savoir dire ça. Parce que si elle dit ça tout le temps, on a même dit ça à la phrase précédente.
Donc, allons-y. Au CIJ Rezob. Au CIJ Rezob. Me pouvez nous pour. Me pouvez nous pour. Non, ce n'est pas pour. Me pouvez nous pour. Il faut dire pour. Oui, pour veut dire quoi? Esclave. Esclave. Ah, dites un peu, il est un esclave. Amopou. Dites, je ne suis pas esclave. Sima pouba. Voilà, je crois qu'avec ces... Vous voyez que quand on donne des exercices, ça vous permet quand même de découvrir des expressions. Il faut faire vos devoirs, ça va vous aider. Fallon, on va encore prendre peut-être une vingtaine de minutes pour la leçon d'aujourd'hui. Moi, Zinzi, Résulam, J'ici, Rezi. Pia, Pensi, Pepel, Ombe, Poum. Rezulam, Tumbi. Nufi, Tachu. Oh, Poum. Oh, la Poum. De Molielo.